Alors, maintenant que vous avez regardé les vidéos avec papa et maman, vous avez compris qu'aujourd'hui nous allions faire une nouvelle maison, la maison du son ni. Ni. J'enroule mon doigt autour de mon nez comme sur la montagne et c'est le son ni. Donc, on va lire ensemble les mots de la maison du son ni. On a un champignon, des châtaignes, guignol, une baignoire, un campagnol, la signature. Il soigne une araignée, un peigne, elle souligne un agneau, un cygne, un oignon, elle gagne un chignon et des lignes. Je te laisse un peu de temps pour le relire avec papa et maman. Tu peux appuyer sur pause si besoin. Et une fois que tu as terminé, nous allons faire l'exercice que nous avons l'habitude de faire ensemble en classe. Je vais donner un mot et tu vas dessiner sur ton ardoise ou sur une feuille les ronds pour chaque son que tu entends dans ce mot. Ensuite, tu mets la croix là où tu entends le son ni. Je te laisse prendre une feuille ou ton ardoise. Tu peux appuyer sur pause si besoin. Alors, le premier mot, c'est soigne. Soigne. Tu dessines un rond pour chaque son que tu entends dans soigne. On corrige. On entend s, wa, ni. Le son ni est en dernier. On recommence la même chose, cette fois-ci avec le mot souligne. Souligne. Je te laisse dessiner sur ton ardoise les sons de souligne. On corrige. S, ou, l, i, ni. Le son ni est à la fin. Voilà, maintenant, tu vas écrire des syllabes qui contiennent le son ni. Alors, tu vas d'abord écrire la syllabe nia. Nia. On corrige. Nia, on entend ni avec les deux lettres gn et a. Nia. Maintenant, tu vas écrire la syllabe nié. Nier. On corrige. On entend nier et nier. Ensuite, la syllabe niant. Niant. On corrige. On entend nier et le an de maman. Niant. Et pour finir, la syllabe nu. Nu. On corrige, on entend ni et u. Nu. Voilà, maintenant que nous avons fait ces exercices ensemble, je te laisse faire les exercices 1, 2 et 3 du fichier pilotis avec papa et maman. À bientôt!